C'est Benjamin Stenn qui va être obligé de faire un pick and roll avec lui. Bah, finalement, il part de l'autre côté. C'est le premier drive et l'incursion est bonne pour le Français. Il est fort, on a envie de le voir un peu plus. Il a eu du mal un petit peu sur le début de saison. Le dernier match, c'était beaucoup mieux. Les deux premiers points pour Boris Dalot. Deux équipes très offensives. Hein. On devrait avoir des points ce soir. Et ah oui. Les premiers de Chris Horton. Pour poster, encore une fois, il est très grand. Boris Dalot, il a un jeu de haut panier. Avantage de taille, la prise à deux. Et Benjamin Stenn qui a pu offrir peut-être une passe décisive à Nick Johnson. À trois points, Nathan D'Souza qui a pris sa chance tout de suite. Rebond Peter Jok. Oh, les bonnes mains de Benjamin Stenn. Il va falloir les compter, les interceptions pour Nanterre. Et surtout les finitions, ils arrivent. Un pétard ambulant, comme vous les aimez. En parlant de pétard, celui-ci, il est mouillé. Envoyé et rendu à Nanterre avec Benjamin Stenn qui sanctionne. Ficelle à 3 points. 9 points déjà pour Mix. Stenn, il va écraser la concurrence dans les airs. Vous avez vu ce changement de... Hang time. Chris Horton de retour sur le terrain. Benjamin Stenn, il est pire voltant. Et il trouve les bons caviar vers Wimbush à 3 points. Ce joueur sait tout faire, Wimbush. 1 sur 9 désormais. Premier tir extérieur réussi après 20 minutes. Horton qui se fait confiance. Encore une fois, un panier facile près du cercle. Le match est loin d'être gagné. Et Wimbush qui continue d'alterner, de jouer avec ses extérieurs. Il ne faut pas sauter. On s'incline. Splash. Je dirais... Peut-être Horton. J'hésite entre Wimbush et Horton. Horton, 18 points.